Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Puisque aujourd'hui, le message du jour, c'est quoi déjà? C'est écouter le choix de l'âme qui n'a rien à voir avec l'esprit humain. En fait, l'esprit humain est juste là comme un outil, mais c'est pas l'esprit qui doit guider notre vie, c'est l'âme. Écouter l'âme, c'est pas la même chose que écouter son esprit. Je passe le sujet. Aujourd'hui, j'étais venu à la base pour casser le plancher du rez-de-chaussée qui donne à la cave. Mais avant, je vais dépigmenter le mur là où il y a beaucoup de plâtre. Puisque en fait, l'objectif, c'est de vraiment casser tout ce qu'on peut casser avant d'intervenir avec une pelleteuse pour tout évacuer, pour évacuer les gravats en fait, histoire de pas louer 2-3 fois la pelleteuse. Je veux tout évacuer en même temps, donc faut tout casser le plus possible pour éviter les manipulations stupides avec la pelleteuse. Bonjour. Ouais non, je parle tout seul. Cette fois, j'ai mis un masque. J'ai enlevé le plâtre sur ce mur-ci. Alors, je sais qu'il y en a plein. Ils m'auraient dit, pourquoi tu plaques pas devant? Tu t'en fous? Tu laisses le plâtre? Ouais, mais là, j'avais envie de l'enlever. Donc, je l'ai enlevé. Parce que j'ai envie de réenduire avec de la chaux par-dessus mes briques. Comme ça, je sais que psychologiquement, quand tu auras le placo, l'isolation et tout, derrière, c'est sain. Et la maison, cette magnifique être vivant qui est la maison de maître sera propre même à l'intérieur. C'est comme nous, si on mange des trucs mauvais, on est sale de l'intérieur, on se sent pas bien. Faut qu'on soit propre à l'intérieur et à l'extérieur. Même ce qu'on voit pas, je veux que ce soit bien jointé, que ça tienne bien. Et voilà, parce que c'est vrai que le plâtre par moment tenait vraiment, vraiment. Hein. Donc y a des moments il tenait pas du tout. Ça s'enlevait super bien et des moments, fallait vraiment taper. Donc, est-ce que je vais faire ça partout? Ça, j'en sais rien. Mais je vais le faire le plus que je peux, là où ça tient vraiment pas, pour assainir au maximum la maison. Je vais casser le plancher cette fois. La problématique, c'est que nous avons plus de sol après. Et si nous ne pouvons plus marcher dans cette pièce, eh bien, nous ne pouvons plus mettre nos outils quelque part pour continuer les travaux. Mais d'un autre côté, je me dis, je suis quand même obligé de tout casser pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, évacuer d'une pierre deux coups. Et comme on n'est pas là pour rigoler, cette fois-ci, on met un masque.
Ouais, je sais, on dirait un truc pas normal. Mais c'est normal. Je vous montre un petit peu les IPN, dans quel état ils sont. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est pas si simple que ça à casser. Finalement, ça tient quand même. Et c'est dangereux parce que je casse tout en longueur et paf, tout tombe d'un coup. Donc il faut vraiment y aller avec précaution finalement. Regardez un peu l'IPN, comment il est attaqué. Regardez ça, la rouille. Comme ça. Je viens de décrocher ce morceau complètement bouffé par la rouille avec le temps. Waouh! C'est incroyable. Et j'espère vraiment rétablir cette situation au plus vite afin de pouvoir commencer vraiment les travaux de reconstruction, notamment la toiture. J'ai vraiment, vraiment hâte de commencer à faire la toiture. Et j'espère que c'est vraiment pour dans très peu de temps, les amis. Vous savez très bien que ça fuit, je sais, c'est par là que je voulais commencer, mais par manque d'argent, je ne peux pas pour le moment, mais c'est pour très bientôt. Je me tais, je parle beaucoup, donc faut que je me taise. Les amis, j'ai cassé une partie du plancher, donc c'est quand même pas facile puisque ça tient quand même bien. J'ai eu un peu peur parce que je me suis dit ça allait être problématique pour la suite de la casse du chantier, du plancher, pardon. En gros, j'ai vu la cheminée posée sur l'armature métallique de l'ancien plancher que je suis en train de casser. Et je vois cette cheminée qui fait partie du mur porteur extérieur de la maison. Et là, je me dis, faut quand même pas rigoler avec ça. Du coup, je vais étayer prochainement. Je peux quand même continuer à casser quand même autour
ça tient quand même bien. Mais ensuite, il faut vraiment pas traîner à étayer sous la cave la cheminée. Parce que sinon, je ne peux pas remplacer, on va dire, le plancher, parce que c'est les IPN en métal qui tiennent la cheminée, comme je viens de dire. Le but dans la vie est de prendre conscience, arrêter de réfléchir avec le cerveau humain et juste ressentir les choses avec la conscience et l'âme. Ça, c'est important. Il y a eu une deuxième problématique, c'est que j'ai cru penser que le plancher était aussi repiqué sur les murs porteurs intérieurs de la maison, mais ce n'est pas le cas, j'ai vu dans la cave, c'est repiqué sur un mur de la cave porteur, et je pense que l'armature métallique n'est pas vraiment en lien avec la structure de la maison, et je reste quand même vraiment vigilant sur la situation. Bonjour mesdames et messieurs. Hello. Hello. On se retrouve avec mes deux extraterrestres. Hein? Il y a un truc trop chelou là. De caton. Il y a des trucs chelous tu dis? Moi j'ai un détail à partager, c'est que je trouve qu'il fait plus froid dans la maison que dehors. Ah oui. Mais vraiment. Mais ça a toujours été hein. Mais là il caille hein. Ouais, comme si ça conservait le froid alors que dehors il fait bon avec le soleil. À mon avis, c'est en lien avec les murs en terre. Ouais, bah oui, ça isole quand même, bah malgré que... Enfin, il y a quand même les fenêtres qui sont ouvertes. La brique et la terre, ça doit maintenir la chaleur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Non, moi non plus. Mais j'en ai aucune idée. J'avais envie de venir faire bouiner un peu, mais... Là, il est déjà 15h30 bientôt. On est en milieu d'après-midi ou on est en début? Milieu. Milieu? Ouais. 15h30, on est là et on sait pas ce qu'on fait. On sait juste qu'on voulait venir bouiner, mais... On peut casser les murs, on peut ramasser des briques, on peut aller travailler dans le jardin. Parce que là, la maison... Wow. Je pense que j'ai une idée, mais Flavius... Il y a des gens qui nous regardent là, faut que je leur dise. L'idée qui me vient, c'est qu'il va falloir qu'on déplace le tas de carrelage qui se retrouve derrière moi, de manière à anticiper les futurs travaux de la toiture, puisqu'ils vont gêner forcément. Si on veut accéder autour de la maison, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne. Donc pour la toiture, par contre, il va falloir encore un petit peu de patience, le temps qu'on réunisse le matériel nécessaire, qu'on ait le financement. Vous savez qu'on n'a pas encore le financement, mais on est sur les voies pour y accéder. Papa, il baragouine là. Baragouine, ouais. Ouais, on est sur le... Papa. On est sur le je disais quoi? Bah, je sais pas. Oh, ma petite chou. On est sur le bon chemin pour avoir le financement pour faire la toiture, c'est ce que je disais. Ah bon? Bah, oui. Bah, on est sur le bon chemin. On va forcément trouver des solutions pour le faire. Ah oui, le chemin. Bah oui, on est sur le chemin. Bah là, tout de suite, on va pas faire la toiture. On va déplacer le tas de carrelage qui est là. Oui, on est sur le chemin. Je vais écrire sur vous. Ils sont pourris ceux-là, faut les virer. Ça, on les jette. Ah oui, on les jette. Regarde bien où tu marches, shoot, pas tomber. Hein. Elle a failli tomber. Bah, c'est pour ça, j'ai entendu. Oula. Attendez, je vous rassure tout de suite, le carrelage qui est là, on le jette, il est vraiment, il est moche. Bah, il est tout, il est tout moche. Ça là. Il est tout... Regardez. Il y a même plus la peinture qui colle dessus, quoi.
qu'est-ce que vous en avez pensé, mais de Fa? Oh, super! Bah ouais, ça c'est bien fait, hein. Ça fait un endroit propre, là. Et moi aussi, parce que j'ai enlevé... Charlotte, elle m'avait bien joué, parce que j'ai enlevé tout ça. Ouais, viens le dire plus propre, en face, comme ça. J'ai enlevé plein de choses... De lierre. Enfin, plein de choses, quoi. Ouais, un gros morceau de lierre. Je te dis, laisse, chaton, ça va être trop dur. Et là, d'un seul coup, elle tire et plan, elle enlève tout le morceau. Alors moi, je suis fière de mes deux fas. Ouais, je voulais en enlever un petit, moi. Ah, disons qu'on a le soleil en face, là. Ah, oh, ça fait du bien. Il fait vraiment bon, on se croirait au printemps, presque. Ouais. On a fait un tas, voilà, de carrelage là-bas. Ouais. Franchement, je sais pas ce qu'on en fera de ce carrelage, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on le met pas à la déchetterie. Ah bah non. Bah non, faut pas mettre à la déchetterie. Par exemple, si on a quelque chose à carreler, genre une buanderie au niveau d'un mur ou quelque chose, et ben je me dis, ça fait toujours ça de gagner. Et puis réutiliser ces matériaux, je trouve ça mieux que de les jeter. Bah oui, surtout là, ils sont bien, quoi. Bah ouais. Donc on les garder. Ouais, comme vous le savez, nous on adore faire de la récupération de matériaux. Et on a aussi des magnifiques pavés, tu sais, des magnifiques tomettes. On avait déjà montré, mais du coup on a tout réuni. On avec en a des... Ouais. Avec des dessins dessus, on n'en a pas des masses. Non, on en a même. Mais si ça peut, par exemple, tu sais, on fait un coin et au milieu on met ça, tu vois. Une petite délimitation ou un petit truc, ouais. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Oh, il y a un ver de terre. Tu nous expliques ce que c'est, ça, le grand fakir? Bah en fait, c'est là l'endroit où il y avait tout le tas de carrelage qu'on a mis de côté. Et bah en fait, en dessous, en grattant à la pioche, on s'est rendu compte qu'il y avait des genres de plaques un peu de... comme au niveau de l'entrée, là... De la grès. De la grès, ouais. Enfin, de la pierre, quoi. De la pierre en grès. Donc on n'a pas encore tout gratté, il y a des morceaux. Mais ouais, c'est fou, hein. Là, on peut apercevoir comme s'il y avait des délimitations là, ici, ouais, en briques, là. Bon, on voit vraiment pas grand-chose, mais comme si ça avait été fait exprès, en fait. Je monte les escaliers. Ah oui, je sais pas si je vous avais montré ce petit atelier provisoire. On a déblayé tout le cabanon derrière. Regardez un peu ça. Voilà, on a fait un petit atelier. On a mis tous les outils qu'on a récupérés là, tous les trucs rouillés. Même Duncan, il nous a retrouvé des trucs comme ça. Des mèches. C'est pas une mèche à bois, c'est une mèche à béton. Mèche à bois. Et là, il y a plein d'outils. Et donc, est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'on fait maintenant? Défraîchir. Défraîchir. On va défraîchir. Allez. Je la mets la bourrette où vous voulez aller. Allez, je la mets où? La broussailleuse. La broussailleuse. Oh, c'est le fils de mie. Alors là, on va enlever tout le tintouin qui est là. Oh, avec le bonnet. Je coupe, ça craint. On enlève tout ce qu'il y a là. On est sur l'autre côté de la maison. Pareil pour la future toiture. Faire la place. C'est pas dans les encombrants, ça, c'est directement... Ça, c'est à garder à un endroit précieux, ça. Ouais, c'est un trésor, ça. On a trouvé un trésor dans les gravats. Non, quoi ? C'est plutôt dans le coffre-fort, tiens, regarde. Ouais. On l'emmène, hop. Oh. Mesdames et messieurs, comment ça va, vous ? Oui, toi, cul. Mes facochères. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite journée, on va ça dire... Ça fait du bien. Ouais. Hein ? Et en plus, c'est ce qu'on disait, c'est... Je dis, je suis fière de Lily parce que c'est la première fois qu'on bosse pendant presque 2 heures d'affilée et qu'elle ne demande pas à faire une pause, à regarder la tablette ou quoi que ce soit.
Elle avait... C'est elle, limite, qui réclamait à venir ici, à la maison de maître. Ouais, bah tout à l'heure, je savais pas trop ce que je faisais. Hein. Tout à l'heure, je savais pas trop. Enfin, j'ai pas fait de pause. Hein. Ouais, tu vas bien dormir ce soir. Et en tout cas, je suis impressionné par la quantité de briques qu'il y a partout dans la cour. Ouais, c'est impressionnant. C'est, ce terrain, c'est une mine de briques. Enfouies dans la terre partout. Partout, ouais. Des anciennes rocailles et trucs comme ça, c'est qu'ils avaient fait. Enfin... Mais je sais pas combien on a en quantité de briques, mais c'est énorme. Franchement, elle a tout cumulé avec toutes les maisons. Les briques qu'on a récupérées, on peut limite construire une autre maison, quoi. Ouais, du coup, on va construire un château, nous. Ouais. Si on le trouve pas, on va le faire. On va c'est pas grave. Nous-mêmes dans une forêt. Oh ouais, le rêve, c'est juste qu'il faudra couper les arbres. Juste à l'endroit du château. Oui. Pouf. Bon, la suite du chantier, ça va être de commencer à évacuer les gravats de la cave. Puisque je sais pas comment faire pour évacuer les gravats, mais va falloir quand même trouver une solution. Peut-être que je vais les jeter sur le plancher, et du plancher, je vais les mettre dans les tas de gravats. Je sais pas vraiment comment faire d'autres, de toute façon. Il n'y a pas 36 000 solutions, à part de trouver la solution. Yeah.